Je suis coach de Lornia Nimukusi Atalo, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue dans l'usine du Congo. Si on n'est pas là pour plaisanter. Installez-vous, abonnez-vous, likez et n'hésitez surtout pas de partager massivement les liens de l'autre. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. O te mananga le comme ça yo. Babanzo nanga le sanjola yo. O ngana zo mona ilongoli bonza mena yote. O yo tozo vivre ilongoli bonza mena yote. Laisse mon cœur te louer Seigneur. Et te roi a ta pona ya malo yo. Kolo o te mananga. Come sai yo oh yawe kumama oh yawe kumama na yo elombe yawe kumama na yo oh yawe kumama atananu na balite na kokome sai yo atasoki na botite na kosanjo na yo. Taba pasi elien toto topela maladio yon nabikete kolo ni ambalo yembo nanga ni bonza motema nanga kotenda na kumisa yo oh yawe kumama. Hospitalisé, et toi qui es arrêté, prisonnier, et toi qui as toute une panoplie de soucis, des équations non résolues. Les seigneurs connaissent tous tes besoins. Oh, mais avant tout, toko misa kombo na Yesu. Avant tout, toko mola kombo na Yesu. Lorsqu'il est levé, le chêne tombe. Lorsqu'il est levé, les problèmes tombent. Lorsqu'il est levé, les maladies guérissent. Mais avant tout, toko misa kombo na Yesu. Avant tout, toko mola kombo na Yesu. Oh, yawe kumama.
Allô, 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 allô. Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Bienvenue, bienvenue dans ce live. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. En tout cas, j'ai reçu vos messages. Oui. En tout cas, j'ai reçu vos appels. Oui. J'ai reçu vos messages, j'ai reçu vos appels, j'ai reçu vos questions. En mode, ouais, coach, qu'est-ce qui se passe? Elle est encore revenue. Coach Bozo Tala, Bozo Lobaté, qu'est-ce qui se passe? Coach, à quand le live? Tu t'es pas encore prononcé. On attend que tu nous dises. Les papos de Moupenia, mieux entendre ça. J'ai dit, hé! Cette exclusivité que j'ai signée avec cette communauté. Venez nombreux. On va discuter, on va parler de cette. Maximum des personnes à suivre ce live. OK? Alors, comme nous le savons tous, l'homme de Dieu, le pasteur Mike Kalambayi, a deux grands concerts en 2024. Oui, nous avons le 26 mai au Zénith de Paris. Nous avons le 27 juillet au Stade des Martyrs. Mais, en tout cas, si ce spectacle n'avait pas eu lieu, Tenez à Mike Kalambayi était quoi? C'est-à-dire, tous les Congolais étaient préparés psychologiquement à voir une... n'est-ce pas, sortie médiatique de Péniel, n'est-ce pas, pour n'importe quelle raison, on s'attendait à ce qu'elle fasse son apparition, pour venir nous raconter n'importe quel crack, mais en tout cas, on s'était préparé psychologiquement, et d'ailleurs, le résultat est là, ok? On n'a pas eu besoin de supplier, on n'a pas eu besoin d'attendre longtemps que nous sommes tous, n'est-ce pas, déjà au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Péniel a fait une sortie médiatique, mais catastrophique, quoi. Abimi, aérolé la lissoussou, encore une fois, na kombo ya tata ya bananaï. Que le live puisse être signalé. Mettez le maximum de likes, s'il vous plaît. Ce live sera très, très, très signalé. Mettez le maximum de likes, s'il vous plaît. Mettez le maximum de likes, s'il vous plaît. Parce que ce live sera vraiment très, alors très, très, très signalé. Mettez le maximum de likes, s'il vous plaît. Je disais qu'il n'y avait pas des cas que j'ai hyper bien étudiés comme... n'est-ce pas? Comme le cas de Péniel, comme le cas de comment elle s'appelle, de Nikki Barcelone, comme le cas de Eliane Bafeno. Il y a des femmes dans cette communauté qui ont fait des grandes sorties médiatiques et ces sorties médiatiques, j'ai étudié ces cas-là personnellement. C'est-à-dire, na vandela ba dossier wana ngai moko na fandeli yango. Nga moko na donc ça dit na huit heures pour étudier yango. OK? Alors maintenant, Péniel qui fait sa sortie médiatique, je vois certains être contents. Je vois beaucoup accompagner Péniel dans sa folie. Disons que oui, le concert de Mike Kalambayi au Zénith de Paris devrait être boycotté. Ce concert, oui, devrait être boycotté parce que c'est un faux homme de Dieu. Il ne mérite pas ce concert, etc., etc. Parce que Péniel se serait plaint du fait que Aomonaban en a été, alors le concert de Mike Kalambayi devrait être boycotté. Parce que Péniel a des accrochages avec le père de ses enfants. Voilà pourquoi le concert du pasteur Mike Kalambayi devrait être boycotté. C'est-à-dire, il y a beaucoup de messages de boycott comme ça. Les gens ont pris soin de m'envoyer les messages de boycott. Et d'ailleurs, rassurez-vous que je traîne aussi, n'est-ce pas,
Comme vous tous, tous les curieux, je suis en train de traîner également sur les réseaux sociaux de Péniel, histoire de lire ce qu'elle publie. Je vois les captures, je vois les messages, je vois ses publications, je vois les personnes qui l'encouragent, qu'elle riposte. Je lis les commentaires de certaines publications. En tout cas, oui, je suis aussi hyper connectée. D'accord? Alors, je vais vous inviter à faire quelque chose, à maximiser les likes et à partager massivement les liens. Nous devons arriver à plus de 100 likes avec plus de 100 personnes connectées pour commencer ce live. Parce que sans ça, en tout cas, je ne pense pas qu'on pourra débuter ce Congo ça aussi juteux. Alors, on va prendre, n'est-ce pas, nos placements de produits, on va prendre nos sponsors, on va prendre nos partenaires pendant que nous sommes en train d'augmenter le nombre de personnes censées être connectées dans ce live. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congo ça, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre, parce que ici, nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, demain Onyang Imukusi Atal, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Pandi Likolo, le gouvernement Lipois. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de cette vidéo. Je dis le maximum de likes et le maximum de personnes connectées et on démarre ce direct, n'est-ce pas? De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testées et approuvées dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, des thés pour bains à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibromes, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Du nouveau à Kinshasa, pour vos cérémonies, les mariages, les concerts, les anniversaires, les funérailles, la solution, c'est l'agence Rissa World Service. Nous vous proposons des hôtesses, des protocoles, un accueil incroyable pour vos différents événements. Également, vous aurez droit à des gadgets qui vous aident à accompagner ces grands événements, tels que des appareils photo, des caméras, des talkie-walkie. Vous avez également la possibilité d'avoir la photo booth 360. Nous vous offrons aussi un service de livraison de cadeaux surprise à domicile. Et nous faisons également la location du tapis rouge. Également, la possibilité de faire une livraison agroalimentaire. Et cela a un prix défiant toute concurrence. Pour nous avoir, c'est simple. Contactez-nous sur Kinshasa au plus 243 993 639 561. Aux États-Unis, c'est sur le plus 1 470 358 16 29. Notre email, c'est le contact@rissaworldservice.com. En bonus, chez Rissa World Service, vous avez la possibilité de choisir les tenues qui vous conviendront le mieux pour ce service d'accueil qui vous accompagnera tout au long de votre événement. Pour un événement de rêve, contactez Rissa World Service. Cantine d'amour.
mbongo na facilité et commune lisanoé grâce à TapTapSaaS. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSaaS, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est le code promo demeure. D-E-M-E-U-R-E. Tant où yo okosa la envoi yakotina mbongo, okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Le corona akoyama mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naye et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSaaS. Avec TapTapSaaS, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu saaS. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSaaS. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Eh oui, TapTapSaaS et l'équipe en haut tout, c'est le moyen le plus sûr, rapide et surtout fiable. C'est-à-dire au Betty, tu tapes, tu saaS à la seconde près. La personne à qui tu envoies l'argent reçoit, n'est-ce pas, cet argent-là, ok? Cette personne reçoit à temps réel. La personne reçoit ça n'importe où. Bisozali Kambuto comme une agence, au Pessy Code, Balobi, Bakoma, Kikombo, Biente, etc., etc., non. Déjà, numéro de téléphone, il y a un numéro dans l'Europe, numéro est associé à combo na ye et la personne reçoit l'argent à Keko Bimisambo, n'importe où, pas question à Osala Moulongo, pas question à Osela Poema Connexion, pas question. Sauf que Simbite na MP, c'est aussi Mana Airtel Money. Sauf que Simbite na Airtel Money, c'est aussi Mana Orange Money. C'est-à-dire, il y a plusieurs possibilités comme ça que TapTapSaaS nous donne pour envoyer de l'argent. Yo, Ozo, Olandanga, Otinda Rambongo, vers de l'Europe, du Canada, des États-Unis, vers la République démocratique du Congo ou encore le Congo Brazzaville, c'est simple. Tinda na TapTapSaaS, télécharger l'application, mais robot, ça n'a tes codes promo demeure. Parce que grâce à ce code promo, tu as la possibilité justement de payer zéro frais de transfert, c'est-à-dire et l'autre côté pour Otinda Rambongo. Et pendant que nous sommes en train de parler, il y a certainement une femme qui est en train de pleurer, qui est en train de dire Seigneur, comment est-ce qu'en 2024, nous avons fait la Anne, nous avons fait la 2024, nous avons fait la Sarah, nous avons fait la 2024, nous avons fait la Komba, nous avons fait la Sozali Wapi. Je vous dis, dans un moment où vous avez fait la Sarah, nous avons fait la Sarah. Nous avons fait la Sarah parce que nous avons fait la Sarah pour découvrir que nous avons fait la Sarah, nous avons fait la Maman Maliane. Oui. www.maliane.com, ce site te permet d'avoir des produits, n'est-ce pas, d'hygiène intime, mais particulièrement les produits de fertilité. Mibali na basi kunande makama mabota et beti, c'est-à-dire kitoko ya osaranate. Basi ba obota ya osaranate grâce aux produits de maman Maliane. Moi, c'est Kumbaza les souti. Mamboa sarana ester et kalka histoire, soukipi na barit, soukipi na banane, ou ba bota kite, ba sara, soukipi na. Na Bible kaka kuna na ba ana bango ka kuna na Bible na lelo boye en tout cas grâce au produit de maman Maliane biso tout bo binga biso ba maman biso tout na ba bébé na maboko n'est-ce pas makasi ka ndi na planification familiale poso ko meli ba kisa maman Maliane o kolandisa bana o ndimati et pendant ce temps sur la chaîne de la poutine de l'écriture ben vu qu'on dit la patronne. Nous sommes en train de suivre la série Master, une histoire incroyable, je vous dis, remplie d'émotions, cette histoire, cette série Master, je vous dis, soro landi en hôte na ebité quoi. Soro landi en hôte na ebité, mais ma kaina big, parce que vous nous arrendez mingi matea. La série Master est déjà disponible sur la chaîne Bellevue TV, n'est-ce pas? Alors,
Pendant que le pasteur Mike Kalambay, au Zénith de Paris, nous prévoit un merveilleux spectacle ce 26 mai, pendant que le pasteur Mike Kalambay prévoit un merveilleux spectacle au Stade des Martyrs, Peniel Mupenya, la maman de ses enfants, fait une sortie médiatique accusant le papa de ses enfants de pas mal de choses. To bandi sigo live na biso. To koti sigo na mama ya likambo na biso. To ko solo la mama mwa penyel. Bandeko, nga likambo penyel na beta angu na facilité po eze loko elansanga na carrière. E loko elaki sa okolo bambi si yo o neglige angu te. Problema penyel eza raka ya demeure. Sa di, avant batutu basa l'émission sur internet, il faut que nga na lo banano. Parce que yangonde elansanga carrière na nga. Sa di, video ali boso nga na sala na internet en tant qu'analyste. Na akinde ko décortique likambo penyel na papa Mike. Biso pena toza bato o ne bandeli. To banda pena likambo o na genèse. To zela kite e komela. E bota misisa. Quand les bandeli kaka ya masolo biso zaki déjà omniprésent, c'est-à-dire on était là, OK, on était présent, on a commencé à analyser sur cette affaire. Le plus triste, OK, dans cette histoire, c'est qu'il y a des enfants. Dans cette histoire, il y a des enfants. J'appelle une belle famille dans ce live. J'appelle une belle famille côté à Mobali, de côté à Moissy. En tout cas, j'appelle les belles familles. Ngayo yo na olo bana bino petit frère na ngao bala kala mingi te. Na routine le lien on attend pour lali. Il faut yoka. Mais na routine de la belle sœur na ngao moi sine to ke robala. Moi so to robala sans au kakola. Na routine de la épée. Ayo ra mambo nga na lobby. Ya ona lingi bandeko baboti bana mibali na kata live oyo. Na lingi bandeko baboti pe bana basi na kata live oyo. Baya wo yoka. Maengai coach wabino na roloba awa. Je vois Peniel faire une sortie médiatique. Ceci a commencé par sa sortie médiatique. Hein, a commencé par une publication sur une page à polémique. Disant que Peniel, les petites photos que vous voyez là, où on voit les têtes de Peniel, que Peniel se serait fait arrêter aux États-Unis avec une arme. Elle était allée faire je ne sais quoi. Elle a pointé une arme sur quelqu'un. Elle a été arrêtée. J'étais choquée. J'ai dit, mais c'est quoi ça comme histoire encore? Peniel avec une arme. J'avais du mal à y croire. Parce que quand même, dernièrement, j'ai voulu lui accorder le bénéfice du doute que je ne lui accorde jamais. Ngai parmi babato ceux qui peignent la sali ba scène na rebond la mutema tant on a roloba ba Jésus 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 parmi les personnes qui ne croient pas à ces scénarios là il y a moi. Mais malheureusement à chaque fois que je dis que moi je crois pas à ça, il y a des gens qui disent qui êtes-vous pour la juger? Bosa banza mbété, seul Dieu sonde les cœurs et les reins. Vous ne savez pas que sur internet on est devenu des stagiaires de Jésus. Il a dit faites comme moi. On commence à essayer de sonder. Nous on est encore au niveau des poumons. Lui il est dans les cœurs et les reins. Nous on part encore progressivement. Rien qu'à voir les spectacles de Peniel, moi je n'y ai jamais cru. Je vous le dis d'entrée de jeu. Mais il y avait des gens qui voulaient me dissuader de ne pas y croire, je ne sais pas si je veux le dire comment, qui voulaient me persuader que Peniel était dans le vrai, que c'est vraiment converti, que cette fois-là, c'était la bonne. Mais moi, la Peniel, que moi je connais des réseaux sociaux, la multirécidiviste de son état, collègue de vieille Ikounia, Narozong et Namakam. En tout cas, j'avais du mal à y croire. Pour moi, c'était... En tout cas, c'était trop beau pour être vrai, quoi. Mais bon, qui sommes-nous pour la juger? On prend sur nous, on regarde et on observe. Aujourd'hui, Peniel fait la sortie médiatique, sa sortie médiatique, là. La sortie médiatique de Peniel, elle pète un câble. Il y a des photos d'elle qui sont sorties sur les réseaux sociaux l'accusant d'avoir eu en sa possession une arme à feu. Peniel vient nous distraire en se mettant en colère,
contre le papa de ses enfants. Pourtant, il y a des spéculations sur les réseaux sociaux l'accusant d'avoir eu en sa possession une arme à feu. Mais elle détourne l'attention de toute la communauté en ramenant le papa de ses enfants au cœur d'un gros scandale. Sous prétexte que la page à polémique a publié sa photo, bah, conseiller Makambu, etc., etc. Et elle en profite, elle, bizarrement, quand les photos qu'il accuse d'avoir eu en sa possession une arme à feu apparaissent sur les réseaux sociaux, elle saisit l'opportunité pour commencer à accuser le papa de ses enfants de ne lui avoir pas accordé les visites pour l'enfant, etc. Et toutes les conneries qu'elle raconte. Moi, je m'en fous de ce dont Peignel se plaint. Moi, j'aimerais que nous puissions être rationnels dans la tête. Je déteste quand on va dans les sentiments. Ici, on n'est pas en train de dire que Mike Kalamba est l'agneau immolé, l'agneau sans tâche, 3 fois 5, qu'il a zéro péché. Non, hein? Mike est tout sauf un être parfait. C'est le papa de ses enfants. Comme je l'ai toujours dit depuis le début de cette histoire, dans une affaire de couple, nous avons tous une part de responsabilité, même si l'autre a 80 et l'autre a 20%. Mais en tout cas, nous avons tous, alors je répète, je pèse mes mots, tous une part de responsabilité. Le pasteur Mike est loin d'être un 3 fois saint ou un 10 fois saint. Mais j'aimerais que cette communauté m'explique pourquoi Peignel vient sur les réseaux sociaux, elle, la convertie, grâce au sang précieux de Jésus, est devenue vierge, blanc comme neige. Le jour où on l'a rebaptisée, on a chanté « Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau. » Et Peignel redevena plus blanc que la neige. Ce qui redeviendra ce qui n'est ni balobakana français. Elle qui a été arrachée du péché. Elle qui s'est reconvertie. J'aimerais comprendre le rapprochement entre la photo d'elle avec une arme à feu et cette crise de colère qu'elle nous pique sous prétexte que le papa de ses enfants ne lui laisse pas voir les enfants. En quoi c'est important que cette affaire vienne encore à nouveau sur les réseaux sociaux? Pourquoi cette affaire n'est pas traitée en interne, mais elle vient être traitée publiquement? J'aimerais comprendre pourquoi l'affaire Peignel vient à nouveau être traitée publiquement. Pourtant, ça pouvait être traité en interne. Comme par hasard, Peignel nous remet sur le terrain des accusations fausses ou réelles, mais en tout cas, elle nous remet sur ce qu'elle a déjà fait. C'est-à-dire, voilà pourquoi je dis la multirécidiviste. Peignel nous remet sur le terrain de « Mike m'avait fait subir ça. Mike avait tripoté ma cousine. Mike avait tripoté ma sœur. Mike m'a trompé. Mike est sorti. Elle reposte des photos de Tumba Joël qu'elle a déjà postées dans le passé. Elle nous ramène encore les mêmes histoires. Et puis elle renchérant que Mike lui avait fait ci, que Mike lui avait fait ça, etc., etc. Tous ces éléments que Peignel, ok? Tous ces éléments que Peignel ramène aujourd'hui. Les crises de colère, oyo. Peignel a salé la bisson à les réseaux sociaux, oyo. Si tous ces éléments-là qu'elle a en sa possession aujourd'hui, si ces éléments-là étaient vrais, si ces éléments-là étaient des éléments réels, si c'était vraiment des choses qui se sont produites dans leur vie, cette Peignel qui n'a pas hésité de dire que Mike Kalamba, il l'avait violé. Pourquoi n'avoir pas parlé de ces choses à cette époque-là? Pourquoi elle ressuscite celui que Jésus n'a pas ressuscité des morts? Le seul ressuscité des morts, c'était Lazare. Mais Peignel vient nous ressusciter des morts que même Jésus n'avait pas ressuscité. Pourquoi ces histoires viennent apparaître qu'aujourd'hui? Pourquoi ces histoires n'ont pas apparu à l'époque où il y avait des vrais problèmes, des réels problèmes qui nécessitaient d'énormes révélations? Moi, j'aimerais comprendre parce que, excusez-moi, mais je ne comprends pas.
J'aimerais comprendre pourquoi Peniel refait surface aujourd'hui avec des nouvelles histoires pendant que la période où il fallait qu'elle raconte toutes ces histoires-là, ok, elle n'a pas raconté ça. Il y a de ces éléments qu'elle raconte qui pouvaient même aller au tribunal parce qu'elle était en plein procès avec le papa de ses enfants. Il fallait bien qu'elle puisse ramener des éléments qui vont, n'est-ce pas, peser en sa faveur pour clouer le pasteur Mike Kalambay. Quand même, Peniel est une Américaine. Elle vit aux États-Unis pendant des années, depuis sa petite enfance, ok? Et ses enfants sont nés aux États-Unis. Ramener des éléments comme ça qui vont clouer le pasteur Mike Kalambay, quelqu'un qui vit à Kinshasa, mais la justice qui protège la femme au niveau de l'étranger là-bas à la diaspora pouvait pencher en faveur de Peniel. Mike Kalambay n'est pas riche, plus riche que certaines personnes qui perdent les procès là-bas, certains papas à qui on arrache des enfants, des multimillionnaires à qui on arrache les enfants aux États-Unis là-bas, mais Mike Kalambay, n'est-ce pas, c'est lui qui a la garde des enfants. Pourquoi tous les scénarios que Peniel ou toutes les histoires que Peniel nous raconte sur les réseaux sociaux n'ont pas pesé en sa faveur pendant le procès? Elle vient nous balancer ça aujourd'hui. Posez-vous cette question. J'ai vu dans une publication de Peniel, elle insinue que d'ailleurs que le pasteur Mike devrait faire attention parce que logiquement c'est elle, Peniel, qui a obtenu la garde des enfants. Ça n'a jamais été le pasteur Mike Kalambay qui arrête de nous mentir. Mais quand Peniel raconte que c'est elle qui avait logiquement obtenu la garde des enfants, ça me fait rire. Parce que moi, je me rappelle que quand le procès avait eu lieu, quand j'avais dit que le pasteur Mike a gagné le procès, il a la garde des enfants, je me rappelle qu'à l'époque, Peniel est allée sortir ses enfants et puis a fait faire des vidéos et des photos qu'elle a envoyées à des youtubeurs pour balancer que le pasteur Mike avait menti. Des semaines plus tard, ses enfants sont arrivés sur Kinshasa. Si c'est Peniel qui a la garde exclusive des enfants, comment se fait-il que celui qui n'a pas la garde exclusive l'empêche d'être en contact avec ses enfants? Depuis tout ce temps, qu'est-ce qui a empêché à cette chère mère attentionnée, remplie d'amour envers ses enfants? Si au téléphone, on ne veut pas te passer les enfants, tu es venu vendre des bikinis qu'aucun Congolais, aucun Kinois n'a porté et n'a vu. Tu es venu faire le business des bikinis avec un seul caleçon que toi-même t'avais porté comme échantillon. Tu traverses les pays, les océans et les eaux. Tu descends à l'aéroport de Njili avec un seul échantillon, un seul exemplaire que toi-même tu avais sur ton corps. Tu arrives sur Kinshasa, tu t'installes pour des futilités. On n'a jamais vu tes caleçons que tu étais venu vendre. Mais tu es incapable de payer un billet d'avion pour venir voir tes propres enfants pendant que la justice te l'accorde. Qu'est-ce qui t'a empêché? Tu as fait des va-et-vient sur Kinshasa pour des bêtises. Qu'est-ce qui t'a empêché de venir voir tes enfants? Pourtant, tu es dans tes droits. Vous avez la garde partagée. Prends un billet d'avion, descends sur Kinshasa. Comme ça, puisqu'au téléphone, ils ne te passent pas les enfants. Mais quand tu arrives sur place, tu fais le constat, tu réunis tous ces éléments, tu envoies à ton avocat. Tu dis, sachant que Mike et moi, nous avons la garde partagée, mais ils m'empêchent d'être en contact avec mes enfants au téléphone. Malgré ça, je descends sur Kinshasa, je prends un vol, j'arrive sur Kinshasa, mais Mike refuse de me donner mes enfants. Mike refuse que je puisse voir mes enfants. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec ça. Retournons au tribunal. Pour ça, pour l'intérêt de tes enfants, tu n'avais pas besoin de venir nous faire tout un spectacle à la noix, toute une crise. Toi, la convertie, la trois fois sainte. Toi, la convertie, la trois fois sainte. Peniel qui craint Dieu. Placée au rang de sainte, la sainte Peniel, que nous te vénérons. Toi qui as changé, toi qui t'es convertie. Qu'est-ce qui s'est passé, Peniel? Qu'est-ce qui s'est passé? On dort, on se réveille. Il y a une image de toi sur les réseaux sociaux en train de fumer un joint. Tu passes dans les médias nous rabâcher que tu fumais depuis la maison où tu étais marié. Et il y a des gens qui viennent normaliser tout ce que Peniel fait. Oh, botika, ba na poto ba fumaka na bango, na poto a na basi na mibali ba fumaka. Mais quelle est l'image qu'elle donne? Peniel vivait dans la maison d'un serviteur de Dieu. À ma connaissance, il y a de ces choses
OK? À ma connaissance, il y a de ces choses que en tant qu'enfant de serviteur de Dieu, tozaki na droit ya tozan na ba droit ya ko sala ya ngote na banda na biso nga kutu mama na nga zaki kaka simple kaka mundimi mais na mo ba responsabilité mukie ako diriger kilt ako sala ta modération kaka na na cellule mais ngai na za na droit ya ko se comporter na bandenge moko boete boni boni ye mwana ya pasteur. J'entends les gens venir normaliser oboti kayé. OK, la personne qui a diffusé ma vidéo a... Attendez. OK. Oh banana poto, ba fuma kanabango et cetera et cetera. Non bino banana bino na poto ba kota rébellion. Bazo ko se révolter contre ba parents. Banana bino na poto bazali sous instruite. Banana bino na poto bazali sous éduquée, ba sous na ba valeur té. Biso to na ba biloko en tant que enfant des Africains to salaté. Pour la simple et bonne raison que Ezo fait partie na ba une éducation na bisoté na ba valeur na bisoté. J'entends les gens normaliser et justifier chaque acte que Peniel pose. Mais vous avez justifié chaque acte que Peniel pose au fil de temps, depuis des années. Qu'est-ce qu'elle est devenue Peniel? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Je ne sais pas et j'en parlerai vers la fin. Pourquoi est-ce que le pasteur Mike Kalambay a refusé que Peniel a mon abana? Je ne connais pas les raisons. Oh et Sali que Azala hésitant. Il y a prise de contact, il y a Peniel Nabana. Mais je vais vous remettre dans le contexte. On va prendre quelques vidéos vite fait comme ça. Ça va nous aider. Au fait, l'histoire nous permet de nous souvenir de certaines choses que les gens veulent oublier. Je vais vous obliger de vous en souvenir. Mais je voudrais que vous puissiez retenir que la personne qui a diffusé ma vidéo avec Didier sur Internet, la personne qui a donné ça au journaliste, qui a donné ça à Jackson, c'est Mike Kalambay. Ok? Donc ne venez pas me dire papa banana yo, papa banana, papa banana ne a diffusé nudité nanga mukini mubimba. Alors ne venez pas me parler de papa banana yo. Alors, ne venez pas me parler de ça ici. OK? Parce que les choses que j'ai eu à couvrir, les choses que j'ai eu à protéger pour cet homme, you guys have no idea. Mais ça, on met de côté. Ça, c'est le couple qui est déjà dissolu, le couple qui n'existe même plus. Là, on parle des enfants. OK? Là, on parle des enfants. Because I'm so tired of being the bad parent. I'm so tired of being the one, oh non, elle fait tout ça parce qu'elle aime encore Mike. Elle fait tout ça parce que she's still hung up on him. No, these children are real people. OK, they are real people. Ce ne sont pas des jouets qu'on ramasse un jour et qu'on jette le jour suivant. No, and they are boys. Boys need their dad. And if you're not going to be there consistently, don't be there at all. Pour na zangi papate. Na zangi papate who can't step in. Na zangi bande kwa mibalite who can't step in. Na zangi ba no kote who can't step in. OK, these boys have male father figures. And if you're not going to be consistent, don't come around. Don't come around. Déjà, je sais que j'avais déjà rectifié. Vous avez entendu? On poursuit. OK? On va poursuivre. Là, nous avons Peniel qui accuse le papa de ses enfants d'avoir divulgué les vidéos de sa sextape, OK, sur les réseaux sociaux. Pourtant, rappelez-vous de l'histoire de la sextape, c'est-à-dire... Peniel a rencontré un certain Didier avec qui elle a décidé de se mettre en couple. Et ce dernier avec qui elle se met en couple, elle-même, pendant leur ébat sexuel, se permet de filmer leur moment intime pour montrer à ses copines comment est-ce qu'elle est experte en mougouli. Elle a décidé d'envoyer ça dans leur groupe WhatsApp. Et ce sont ses amis-là avec qui elle était dans ce groupe WhatsApp, avec qui elle a eu des accrochages. Les accrochages en rapport avec de l'argent d'une cagnotte, OK, qu'ils ont lancée pour les amis de Goma, de l'Est du pays, dans le sens de soutenir ces derniers. Et Peniel récupère l'argent de la cagnotte, décide de faire la démarche seule, sans signaler à ses amis. Les amis l'accusent de détourner les fonds de la cagnotte, OK? Elle s'est fait passer pour la responsable de cette action, etc., etc. Alors, elle est même allée là-bas, l'argent n'était pas suffisant. Elle a fait des prêts, OK? À défi, à côté de Niyongo, OK? Allez, ba ningani wana ba siliki, sogipe,
Kandanande Salaki Keba Bimisa ba vidéo, mais en tout cas, les vidéos de sa sextape, elle avait envoyé ça dans le groupe de ses amis avec Ibawele Lambon Wakanyot. Mais Peniel nous fait une vidéo sur les réseaux sociaux où elle pète un câble et elle accuse, OK, le papa de ses enfants d'être responsable de ces vidéos-là sur les réseaux sociaux. On est d'accord. Je vous mets une autre vidéo. Avec les discours. Tchanase, Aza Papa, Bananayo, Nanani, Nanana, fermez vos sales gueules, ok? Fermez vos sales gueules, fermez vos bouches. Fermez vos bouches, ok? Fermez vos bouches. Parce que ce qui se passe behind the scenes, vous n'avez aucune idée. Aucune idée des faits que ces enfants subissent. Et quand tu deals avec quelqu'un qui fait tout pour les réseaux sociaux, tout pour les réseaux sociaux, c'est sur les réseaux sociaux que moi, Peniel, je viendrai trancher les choses. Si toi, tu ne les feras pas de cette manière dans ton foyer, dans tes affaires, that's you. And that's fine, ok? That's fine. Vous, les matures, allez là-bas, et sortez de mon live avec votre maturité. Allez là-bas. Parce que what's happening here, vous n'avez aucune idée. Aucune idée. C'est-à-dire, Peniel te parle, elle fait une pause, elle prend le temps d'arranger ses cheveux. Mais dans son discours, elle dit, elle sous-entend, OK, que le papa de ses enfants fait tout pour les réseaux sociaux. Pourtant, la seule personne qui faisait tout pour les réseaux sociaux, c'était elle. À chaque fois qu'il y avait un petit truc, c'est elle qui venait tout ramener sur la toile. Je dis bien tout ramener sur la toile. Je vais vous mettre encore une autre séquence. Mon corps, des enfants que j'ai portés dans mon corps pour voir les enfants, mes enfants, je dois voir mes enfants avec son autorisation et superviser, s'il vous plaît. Votre pasteur, hein, votre pasteur. Ma photo en Instagram, ma photo en Facebook, Kosabinoté. Il voit ses enfants pour quelques heures la semaine, il prend les photos, il met ça sur Instagram pour vous donner cette culture patriarcale qui a tout. En tout cas, moi, ma mère, soyez beau fille, ma beau fille, un caca. Lobby, brozon, ah, pour vous le voir, qui peignait dans tes demandes, pardon, peignait, non, peignait, tu avais raison. Bah, tout finabino, boyokin, hein, bah, tout finabino. Parce que quand on est là et on est en train de vous dire ce qui est en train de réellement se passer, vous êtes là en train de traiter les gens des bipolaires, en train de traiter les gens des folles et tout ça. Tout ça, mais ma cambo, oh moi, mon balio azo ça la bano. You guys have no idea. Et moi, I'm not gonna stay quiet anymore. I'm not staying quiet anymore. Naho bomba eli susuti. De mon corps, des enfants que j'ai. Je pense que ça, c'est la même vidéo même que j'ai remis encore. Ok? Ça, c'est Peniel. Quand elle faisait ses tapages, je vous dis, j'ai des tas de vidéos de Peniel que si je commence à mettre ici, on va y passer la soirée, you know. On va vraiment, vraiment, vraiment y passer la soirée. Attendez, c'est ce qu'elle dit. Je voudrais que vous puissiez retenir que la personne qui a okay. diffusé... Donc, si je commence à mettre les éléments de Peniel, on va y passer la soirée, ok? Peniel avait refait sa vie, Peniel est passé à autre chose, Peniel a eu ses gars jusqu'à arriver à l'accès, à la sextape au fait. Peut-être que vous avez oublié, j'aurais voulu vous mettre la vidéo de Didier, mais je vous mets quand même celle-ci. So, bien à parler à mon... Yana pe ama mama. This is my baby. Say hi, baby. Hi. You love me? A little bit. Okay, you see, ara linga mukemke a linga kidogo. Kidogo. So bajalu osambo. Deni les osambo. Ça c'est Peniel. Elle avait refait sa vie. Elle est passée à autre chose. Elle était dans son mood. Elle était dans ses délires. Elle était dans ses trucs. Un jour, Peniel décide de dire qu'elle s'est convertie. Elle est venue pour la première fois insinuer qu'elle s'est convertie, qu'elle a fait bas la terre, etc. etc. J'y avais pas cru. Après, elle récidive.
Un jour, elle repasse à la télé pour nous venir nous ravager. It's very, very, very bad. 2021, c'était vraiment la débauche. Mm-hmm. It was very, very, very bad. Donc, c'est le fait que tu avais abandonné ta foi, c'est ça qui t'a lidé à une vie de débauche? Oui. Oui, ça, je... Oui. C'est la débauche, ma madame. Bien sûr, mais Jésus est mort à la croix pour ça, non? Exactement. Ouais, donc j'ai pas honte, ouais, parce que quand on n'est pas dans les seigneurs, on vivra pas une vie qui l'honore non plus. Mmh. Alors, 2021, c'était vraiment une année où je faisais tout et n'importe quoi. Je me disais, I'm gonna live my life. Mmh. Et tout. C'était la toute première fois que je sois aussi un peu libre. Et en fin 2021, que je me suis dit, maybe, mmh. Ces dieux-là existent encore. Mmh. Et c'est en 2022... je crois que c'est au mois de février que je me suis dit, bon, que je réessaye. Et ça, c'était juste entre moi et Dieu. Je me suis dit, je vais quand même prendre le temps de le chercher. Mm-hmm. Mais c'est au mois de juin 2022 que je l'ai entendu encore. Mm-hmm. Et je ne dirais pas que c'était la première fois que je l'entende, mm-hmm. mais c'était la première fois que je l'invoque et que je l'entende et que je sache que c'était réellement sa voix. Et... C'est un parcours qui était très difficile mm-hmm. pour moi, mais je suis contente d'être là où je suis aujourd'hui. Et c'est en passant aussi par les problèmes de santé mentale et tout, que j'ai su voir plutôt mm-hmm. combien Dieu m'aime, combien il est présent mm-hmm. et combien sa présence est palpable dans ma vie entière. Donc, mm-hmm. je pense que c'est ça. Ok, revenons un peu sur le moment où tu as commencé à te déconnecter de Dieu alors que tu es enfant de pasteur. Donc, il y a eu un moment où tu t'es dit, ok, je vais en parler à mes parents pour qu'ils m'aident, qu'ils puissent me guider de sorte à ce que je puisse me rapprocher du Seigneur. Qu'est-ce qui a causé que tu puisses t'éloigner encore? Je m'étais éloignée de toutes les personnes mm-hmm. qui pouvaient me rapprocher aussi des dieux. Alors, je me disais, j'ai vécu quand j'étais jeune. Quand j'étais encore au high school, j'ai fait tout correct. You know, j'étais correcte, j'étais à l'église, je faisais tout comme enfant de pasteur et tout. Mais j'ai quand même vécu ce que j'ai vécu. Alors, je m'en fous des opinions des gens et les opinions de mes parents inclus. Donc, je les avais vraiment éloignés. J'avais éloigné tout le monde, tout le monde. Alors, t'étais-tu baptisée dans ton ancienne vie? Oui. Et est-ce que tu t'es rebaptisé maintenant que tu as donné ta vie à Christ? Non, parce que je ne trouve pas que c'est nécessaire de repasser par le baptême. Mmh. Mmh. Et tu ne trouves pas ou tu as demandé conseil à une autorité spirituelle? J'ai demandé le conseil d'une autorité spirituelle. Et dans mon cas particulier, je ne pense pas que c'est nécessaire de repasser par le baptême, non. Ok. Alors, Peignel, il y a certaines personnes qui peuvent nous suivre, qui peuvent ne pas connaître ton histoire. Il n'y a pas de raison d'aller dans les détails. Mm-hmm. Mais une chose que je voulais savoir, aujourd'hui, lorsque tu te vois convertie, née de nouveau. Jeune fille qui m'écoute et qui me prenne pour exemple. Et quand on n'est pas exemplaire, mm-hmm. on voit ça. On voit les répercussions dans les vies d'autres personnes, dans leur façon de réfléchir. Même à l'église, même dans le corps du Christ en général, j'ai vu les représailles, j'ai vu les gens s'éloigner. Mm-hmm. Peignel dit ceci. Sachant qu'elle n'était pas un exemple, elle a vu les répercussions de ça chez les personnes qui lui prenaient pour modèle. Elle a vu les conséquences. OK? Elle a vu les conséquences, c'est-à-dire... Bino batu na lobona lingala. OK? Elle a dit bino batu bozwa kaya lokola exemple. Alors bino batu bozwa kaya lokola exemple. Bino batu bozwa kaya lokola modèle. J'aimerais faire marche arrière. Alobi, sachant qu'elle n'était pas un modèle. Mais les gens qui lui prenaient comme modèle, elle a vu les conséquences parce que modèle ya zaka c'est modèle ma B. À mon conséquence, n'ango na ba vie abatu musu boyoka. Personne dans leur façon de réfléchir prennent pour qui me prennent pour
quelque chose que je prends à la légère. Mm-hmm. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes dames, beaucoup de jeunes filles qui m'écoutent et qui me prennent pour exemple. Et quand on n'est pas exemplaire, mm-hmm. on voit ça, on voit les répercussions dans les vies d'autres personnes, dans leur façon de réfléchir, même à l'église, même dans le corps du Christ en général, j'ai vu les représailles, j'ai vu les gens s'éloigner mm-hmm. De l'église à cause de ce que moi j'ai vécu dans l'église. Mm-hmm. Donc tu regrettes d'avoir parlé à haute voix de ce que tu vivais dans le secret? Je ne regrette. C'est-à-dire vous aujourd'hui, Peniel récidive, elle fait sa sortie médiatique. Vous êtes dans votre propre dépression. Bon, on a pas de problème, na bino. Bon, yo gang, Peniel a raison. Moi, je te soutiendrai toute ma vie. Nous te soutenons, Peniel, etc., etc. Tant à bon olé mouté, ma soi-disant. Afin de na quitte à lobby, Azo regrette ce qu'elle voit. Elle voit à quel point ce qu'elle elle a causé dans vos vies, au fait. Vous avez cru en elle à son combat. Mais modèle obino bon monde qui que oya zala qui est celle qui a conséquence na vie na bino. Quand elle le voit, elle le regrette. Mais quelqu'un de comme ça récidive, vous vous soulevez encore pour venir la soutenir. Vous, je suis sûr que vous ne venez pas soutenir le problème qu'elle a ramené sur les réseaux sociaux. Vous êtes des détracteurs de pasteur Mike. Tout simplement, Bozaka a détracté à pasteur Mike, au fait. Bolingaka n'est Mike T. Parce qu'après qu'elle est sortie ce genre de discours de sa bouche, après avoir dit ça, Bozaka bato bokoke ko squat médiatique, n'est ya folie, n'est ya où tu as lancé les loups. Alors, le papa, je boycotte. Binopé, on va te soutenir à boycotter. Vous avez boycotté quoi? Pas. Mm. C'est ça la différence. Je ne regrette pas, mais je reconnais qu'il y a eu des représailles. Mais je ne regrette pas parce que je n'ai jamais menti. Mm-hmm. J'ai toujours dit la vérité. Et il y a beaucoup de choses dans l'église qui doivent changer. Exactement. Mais je ne regrette pas. Mais oui, je reconnais qu'il y a eu des choses qui pouvaient être... Les Français disent vaut mieux la façon de dire une chose que la chose elle-même. Mm-hmm. Et si je pouvais rentrer en arrière, j'aurais changé ma manière de dire certaines choses, mais pas forcément les choses que j'ai dit. Peniel disait ici, dans la vidéo où soi-disant elle s'était reconvertie, et maintenant on a le balanime Peniel, t'es bien au boulot ben nanganin. Yo comment mimo nanani pas pasteur Mike. Peniel dans l'oba. Je regrette si c'était à refaire, si j'étais rentrée en arrière, j'aurais pas dit les choses comme je les avais fait. Maintenant quand elle récidive, pourquoi elle reproduit les mêmes dégâts qu'elle avait fait dans le passé? Elle qui, quand elle s'est convertie, elle a dit qu'elle regrettait de la manière dont elle avait ramené les choses sur les réseaux sociaux. Au fait, c'est qui le fournisseur de cette communauté? J'ai l'impression que Biloko Homme et Sabata Communauté, Oyo, Biloko Eza, Biloko Moro, Eza Opola, et Usa, Eza Normalité. Ok? Je te dis, tonton Bev, au co-récidivé, t'es mes récalcitrants, Spenza. Parce que c'est normal, t'es awaye morazo loba, qu'elle regrette de la manière dont elle avait réglé les problèmes. Ce qui a bon olé, moté, ba yaba qui est soit n'a bon moine, et que sa vie avait changé. A comme elle m'a senti, m'a la zomi, comme elle voulait nous donner l'impression sur cette vidéo, on a la tigala on dit maté. Quand elle revient, pourquoi elle reproduit les mêmes dégâts? Pourquoi elle reproduit les mêmes choses? Pourquoi elle n'a pas traité ses problèmes si différemment? Pourquoi elle remet encore le scandale sur la toile? Pourtant, le divorce a déjà été prononcé. La niveau, bah, comme il a un problème, bah, nan, nan, bah, no. Hein? Est-ce que c'est important? Ayako Sala Makambo a dans les réseaux sociaux. Pourquoi n'est-elle pas rentrée en famille ou en justice, dans le secret pour le bien de ses enfants? Peniel revient avec les mêmes dégâts qu'elle a causés dans le passé. Et comme d'habitude, sachant que cette communauté est en matière, la communauté aime les histoires.
Elle ramène des histoires encore. Mike a fait ci avec mes sœurs. Mike a fait ça avec mes cousins. D'ailleurs, Mike avait fait, etc., etc. Ce qui est au banga, Rebecca, il saute que Mike a violé Kao quand tu étais chez tes parents. Que mes parents n'ont pas couvert qu'ils ont pas eu la sonité. Maman n'a pas télé mais là aussi liquelle est bon le banaté. Vous allez se réconcilier après. Ma solo aux orbes absolus les locaux à Rebecca dans moi l'époque. Parce que l'époque est acquis tous les jours au banner au luka matière à six. Capo comme ça les solos elle engi batuba il est sous Mike. On poursuit. Nena bandi boy chapitre on a na fongoli tous les jours na bandosa na bino live soki bobo sali na zongi na bino na ba problème to traiter dans le passé na mon nom de communauté les gens ont une courte mémoire. Ce sont des faits parce que ce sont des faits. Oui, ok. Alors tu as parlé de la santé mentale. Ouais. J'aimerais vraiment qu'on puisse s'apesantir là-bas parce que c'est un sujet vraiment tabou dans l'église et même fille au penzana douceur nyonso azo mona za fille moi ngane ma mbosambela mona bataza calme ayambi au penza penel bosale mission qui toko na cadre bien a poser ba question posée a weneli ko yambo pomoni ko biko pomoni motema comment est-ce que au baby ça concept et mission bato yambara bato yo bas batika oublié parce que on a tout, souvent tendance à attribuer cela au démon. Mm-hmm. Tu as un problème de santé mentale, des attaques, des paniques d'attaque, l'anxiété. Oh, on va aller prier pour toi. Mm-hmm. Quelle est ton histoire avec la santé mentale? Déjà, la santé mentale, moi je trouve que la santé mentale est basée dans les émotions. Mm. Et Dieu n'est pas dans l'émotion, Dieu est dans l'esprit. Il faut savoir faire la part de choses. Et moi je souffre de l'anxiété et de la pression. Mm. Et c'est quelque chose. L'anxiété. Écoutez très bien. Moi, je souffre. J'aimerais faire marche en arrière. La famille, Toyoka. C'est-à-dire qu'on vient traiter des problèmes. Prenons le temps d'écouter. Elle a dit, moi, je souffre de l'anxiété et de la dépression. La Peniel était dans son état normal. Mais elle vous parle de son mental, psychologique, son état de santé dans la tête. Peniel vous dit qu'elle souffre de l'anxiété et de la dépression. Souvent tendance à attribuer cela au démon. Mm-hmm. Tu as un problème de santé mentale, des attaques, des paniques d'attaque, l'anxiété. Oh, on va aller prier pour toi. Quelle est ton histoire avec la santé mentale? Déjà, la santé mentale, moi je trouve que la santé mentale est basée dans les émotions. Mm. Et Dieu n'est pas dans l'émotion, Dieu est dans l'esprit. Il faut savoir faire la part de choses. Et moi je souffre de l'anxiété et de la dépression. Mm. Et c'est quelque chose. L'anxiété. En tout cas, je ne sais pas quand ça a commencé, mais je crois que j'ai toujours été quelqu'un d'anxieuse, très réservée. Mm-hmm. Mes sœurs, limite, disent que je suis timide. Mm-hmm. Je ne dirais pas timide, je dirais peut-être réservée. Je crois que c'est à cause de l'anxiété. La dépression, je crois que j'ai commencé à vivre la dépression après la naissance de mon premier fils. Mm-hmm. La dépression postnatale et puis... la dépression normale qui a surgi à cause de la dépression postnatale. Et je prends des médicaments pour ça. Et je trouve... Je vais faire une pause. OK? On est arrivé au niveau de la dépression postnatale et tout ça. Mais là, parler de l'anxiété. C'est quoi l'anxiété? OK? OK? On va parler de l'anxiété. C'est quoi l'anxiété? L'anxiété est une peur intense, ok? Et l'anxiété est peur intense, ok? L'anxiété est peur intense, excessive et persistante. Persistante, voilà, ok? Je reprends la lecture. L'anxiété, ok? Inquiétude et peur intense, excessive et persistante. Face aux situations quotidiennes, une accélération du rythme cardiaque, une respiration rapide, de la transpiration et une sensation de fatigue peuvent se produire. L'anxiété peut être normale dans des situations stressantes, comme parler en public ou passer un examen. Elle n'indique une maladie sous-jacente que lorsque
les sentiments deviennent excessifs. S'il vous plaît. On dit que l'anxiété est tout à fait normale. Quand tu es peut-être dans une situation de stress ou encore quand tu veux préparer un examen, ok, l'anxiété, ça peut se produire, ok. Tu peux être anxieuse, c'est-à-dire que tu peux constater que tu es inquiète ou encore tu as une peur intense parce que tu appréhendes la chose au fait, il y a l'examen qui vient, tu ne sais pas à quoi ça va ressembler, etc., etc., ok. Et cette peur-là, ça peut être intense ou excessive. Et puis, elle peut être persistante, ça peut durer encore un peu plus longtemps, ok? Et puis, c'est face aux situations quotidiennes, c'est-à-dire face à quelque chose, face à une situation, tu vas sentir que ton rythme cardiaque peut aller un peu rapidement et tout, ta respiration peut changer, elle peut devenir un peu plus rapide et tout ça, tu peux commencer à transpirer et tout. Une sensation, des sensations comme ça, au fait. On a tous été anxieuses d'une manière ou d'une autre, sans savoir que c'est ça, au fait, l'anxiété. OK? Mais on dit que l'anxiété peut être, ça peut être normal tout comme anormal. Ça devient anormal quand cela devient excessif. OK? Quand ça devient excessif et épuisant, OK? Et que ça commence à interférer avec la vie quotidienne. Maintenant, quand Péniel nous dit qu'elle souffre d'anxiété, ça veut dire qu'elle n'est pas au niveau de la normale. Quand elle reconnaît ça comme une maladie, ça veut dire qu'elle est anxieuse de manière excessive. C'est-à-dire que les gens vont commencer à enquêter dans la communauté, etc. Elle est devenue anxieuse, elle a commencé à paniquer. Elle se dit, comment faire au fait pour ne pas que tout le monde puisse être focus sur cette histoire qui est arrivée sur moi sur les réseaux sociaux? Je suis morte. Je viens de dire que je me suis convertie. Mais vous avez une minute, on a une image, il y a ma ambassade, etc., etc. Une minute, on a comme les réseaux sociaux. Mike. Par peur que les gens puissent aller fouiner leur nez dans cette histoire de Mundouki, Péniel s'est dit, ma victime, c'est Mike. Donc, parce que les camarades sont vraiment dérangés. Et vous allez constater que quelqu'un qui décide d'aller passer chez une personne comme Ken. Regardez cette vidéo que je vous mets ici. Regardez le cadre au Bayambié. Regardez la qualité de la vidéo. Regardez les commentaires qu'il y a dans cette vidéo. Mais regardez quand elle fait la rechute. C'est-à-dire à contrôler même pas et si quand le cas. Ah bien, attends, na foule à Sayo. Du moment que l'information est coma. Ok? Peu importe si kaba ou loba, peu importe si kaba ou sa, peu importe. Peu importe. Ken Piana, c'est un garçon de la communauté. Il nage dans la bassesse. Et la majorité de son public, c'est des gens qui ne vont pas prendre 2 secondes pour réfléchir. Aucune rationalité. Bim, je vais mettre mon info là-bas. Pendant ce temps, les publications qui sont sorties sur les réseaux sociaux que disons que Péniel avait en sa possession une arme à feu. Personne n'en parle. Tout le monde est maintenant Péniel est un dossier sur le pasteur Mike. Gana ébité. Bah page nous souba commis arme à feu. Bah page nous souba commis arme blanche. Bah nous souba lobé couteau. Une chose est sûre que cette arme est là qu'elle avait en sa possession. Blanche ou à feu, en tout cas, elle a voulu taire cette histoire au fait.
Et Peniel utilise son état psychologique comme alibi pour manipuler sa famille et les personnes qui savent qu'elle est dans cet état-là malade. Et elle utilise le problème qu'elle a avec le pasteur Mike pour justifier son état psychologique. C'est-à-dire, elle nous manipule tous au même moment. Ah, tu te souviens? Jika, la Suédoise. Pourtant, c'est Ken Piana qui l'avait menacé à l'époque. Il y a ma camboua, il y a ma nude naïe. Quand on a dit, il y a un garçon, on a eu tout la bino vidéo. Quand elle traînait avec ce garçon, Jackpot, quand elle traînait avec Jackpot, tant ou bilo quoi, Jackpot et Bungi Balobi Peniel Naïbi. C'est Ken Piana qui l'a menacé en disant, tes vidéos vont sortir, sauf que Zongi Selo quoi, Jackpot. C'est Ken Piana qui l'avait menacé. Mais elle oublie ça. Elle repasse chez qui? Chez le même Ken. En tout cas, spatule ou pas, elle a tout fait pour enterrer cette histoire, pour venir mettre Mike dans la sauce et sortir des plaintes qui n'ont ni tête ni queue. Des plaintes dont la communauté n'avait pas besoin. Que elle a été divorcée au niveau de la justice. La garde est partagée. Tout est sous contrôle par la loi américaine. Et ça rigole pas. Si le pasteur Mike ne fait pas sa part de responsabilité, il décide de séquestrer les enfants, de garder les enfants pour lui, de refuser que Peniel voie les enfants. Pourquoi n'a-t-elle pas saisi son avocat? Ou bien la spéculation qui disait que Peniel n'avait pas d'avocat était vraie? Ou les rumeurs qui disaient que Peniel, l'avocat, va vendre au Kimae. Et ça y est, solo. Pourquoi le pasteur Mike ne dépose pas plainte pour diffamation ou simplement l'empêcher de parler de lui? Vous êtes sur cette communauté que moi je connais. Sauf que pasteur Mike a qu'une justice à sali plainte, il y a bon, bon, fingeté. Bon, le bape te kaza mama bananayo ata mabe zalaki. Est-ce que penza falaki kakabo koma na niveau wana? Mais ah, bon, pe sa idée. Ah, bon, pe sa idée. Peigné la comprendre biso. A manipulé Congolais qui toko. En tout cas, je ne sais pas quand ça a commencé, mais je crois que j'ai toujours été quelqu'un. Très réservée. Pas mes sœurs limite disent que je suis timide. Je ne dirais pas timide, je dirais peut-être réservée. Je crois que c'est à cause de l'anxiété, la dépression. Je crois que j'ai commencé à vivre la dépression. Bon, on a déjà un numéro nanga parce que tu oses m'appeler. Bon, on a déjà un numéro nanga pour tu oses m'appeler. Après la naissance de mon premier fils, la dépression postnatale et puis. La dépression normale qui a surgi à cause de la dépression postnatale. Je prends des médicaments pour ça. Et je trouve que les médicaments m'aident énormément. Ça m'aide à régulate. Comment on dit régulate en français? Régulariser. Ça m'aide à régulariser mes émotions afin que mon esprit puisse être aussi calme pour que je puisse me connecter à l'esprit de Dieu. Je pense que c'est important. La santé mentale, pour moi, c'est comme la santé physique. Si tu casses ton bras, tu ne vas pas aller à l'église. Exactement. Tu vas aller à l'hôpital. Bien sûr que tu vas prier à ce que la main de Dieu soit sur les médecins qui vont te traiter. Mais tu ne vas pas aller avec un bras cassé à l'hôpital, à l'église. Et tu ne vas pas tout simplement prier. Non, tu vas aller à l'hôpital. On va mettre des plâtres et tout ce qu'ils doivent faire pour ton bras. C'est la même chose avec la santé mentale. Peniel dit qu'elle a fait une dépression postpartum, donc dépression postnatale, une dépression qui arrive à pas mal de femmes après un accouchement, ok? Parce que moi aussi, j'ai fait une dépression après mon accouchement. Mais c'était vraiment très passagère. En Afrique, c'est vrai qu'on ne prend pas très en compte la dépression postpartum, postnatale et tout. On ne prend pas vraiment ça au sérieux, les femmes ne connaissent pas ça. Elles savent pas ce que c'est. Elles vivent ça sans savoir ce que c'est. Mais
On nous dit aussi que la dépression postnatale peut engendrer une dépression normale si elle n'est pas, n'est-ce pas, tout de suite prise en charge, ok? Quand elle n'est pas tout de suite prise en charge. Mais elle dit qu'elle est partie de la dépression postnatale pour une dépression normale depuis son tout premier enfant. Peniel, en sortant sur les réseaux sociaux, pour qu'on ait bisabiso ma bé à Mike Kalambay, à l'époque, entre 2019 et 2000, oh, bah divorce, Iwana. Peniel, en sortant sur les réseaux sociaux, ne nous avait jamais dit qu'elle était dépressive. Moi, comme ma belle-sœur, on a bêta à l'isolo, on a dans les réseaux sociaux, à l'obara que Peniel a mis la rabaki si à mon tout. Batounion, ça va finir avec Awa. Peniel n'avait jamais dit aux gens qu'elle était dépressif. Quelqu'un qui reconnaît aujourd'hui avoir été dépressif. Regardez la manière dont elle règle ses problèmes sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'était réellement passé quand elle était encore sous le même toit que Pasteur Mike? Quelqu'un qui reconnaît avoir été dépressif depuis leur premier enfant. C'était quoi le climat qui régnait déjà à la maison? Elle et sa dépression et Mike avec son caractère. Comment ça se passait? Point d'interrogation. Peniel sort. La manière dont elle évoluait sans qu'elle nous dise qu'elle était qu'elle souffrait de l'anxiété et de la dépression. Tolobara déjà Peniel a une attitude moro dépressive. Il faudrait que la communauté arrête de l'encourager dans ses bêtises parce que quand on l'accompagne, ils ont des forcément beau pèse, ils ont des carburants beau pèse pour que maximisons les likes s'il vous plaît. Pour qu'elle continue ma crise de folie naïe. Tolobaka yango déjà à cette époque-là, ok? Ok? Mais la communauté a encouragé Peniel. C'est quoi la dépression? La dépression ou trouble dépressif est une maladie psychique fréquente qui, par ses troubles de l'humeur, ok? Qui, par ses troubles de l'humeur, perturbe. Ok, fortement la vie quotidienne. On dit ceci, que la dépression ou trouble dépressif est une maladie psychique fréquente qui, par ses troubles de l'humeur, perturbe fortement la vie quotidienne. Est-ce que Peniel ne nous a pas montré qu'elle a des troubles de l'humeur? Ce qui vaut tali Peniel, ou la zaki ko gang dans les réseaux sociaux, mon alisou soubanate Mike, te retourne à ceux qui juste et juge en ça, Annie. Comment est-ce qu'il peut se prendre en photo avec ses enfants et mettre ça sur les réseaux sociaux, etc., etc.? Il n'a jamais eu la garde des enfants, il a menti. Peniel, après tous les scandales, les sextapes et j'en passe, Peniel vient sur les réseaux sociaux avec cette vidéo que je vous mets là. Regardez cette Peniel. Et regardez aujourd'hui quelle Peniel qui refait surface. Elle redevient la Peniel qui était venue à l'époque. Yamakamoyena Mike a raison qui dit sous Peniel Ouana. Bon, quelqu'un qui vous a dit déjà qu'elle souffre d'anxiété et de troubles dépressifs. Oubliez les appels de Mike ou les messages de Mike ou tout ce qu'elle vous a capturé, qu'elle vous a mis sur les réseaux sociaux qui ne vous sert à rien. Tu es un père. Tu vis avec une femme. Avec qui vous avez des enfants. Tu connais son état psychologique que tu ne peux pas dire à tout le monde. Les enfants sont petits. Quelle est la crainte de Mike, en fait? Quelle est la crainte de Mike, au fait? Pourquoi Mike pourrait refuser que Peniel a sur la peut-être Nabana? Pourquoi Mike pourrait refuser? Personne ne se pose des questions. Regardez l'attitude de Peniel, regardez les comportements de Peniel, regardez le trouble des comportements, du comportement, regardez Nani Peniel, elles ont changé l'attitude, Nani Bakamouné, Bilo Peniel, la salaka. Vous, je suis mou Peniel, vous êtes les seules personnes, oh yo, bon, croyez qu'on a changé, Nani Bakamouné, Nani Soyaka, Olo Banabino. Au point où, la kisi Peniel, elles ont fumé, bon, l'obé, c'est normal, Bisou, apoto, wadwa, milaka. Mouton a déjà un trouble à Moutou. Ce qu'elle aura fumé, c'est de la à ma casse. Si elle fume la beuh, par exemple, et rendrait vie facile, elle a un trouble à Moutou. Est-ce que quelqu'un s'est posé la question pendant deux secondes?
y a pourquoi peut-être Mike Akoko Boya ba mon, même si c'est pas valable, il y a pas de raison. Aza maman bana bana garde partagée, etc., etc. Mais que personne ne s'est posé cette idée là n'a pas traversé, OK, la tête de quelqu'un. C'est perturbant d'avoir une maman qui est à un moment donné dépressif, à un moment donné trouble d'humeur, à un moment donné, etc., etc. Qu'est-ce que ces enfants-là ont vécu étant avec leur mère quand elle faisait ces troubles-là? Quand Peigné passait des heures en live, est-ce que vous vous demandez ce qui t'a empêché en dehors gang à gang à pas peser la bino matière? Si tout le monde a calé son aïe à mon nez na live, bon non mais tout dans ce que Zaki banana basi baliaki. Hein? Est-ce que vous avez commis tout dans ce banana basaki basi baliaki, basi basokoli, bana bandon vivre dans la condition nini, bana bandon monaka maman gang à gang à maman loba à lobak. Vous imitez ce qui se passait au fait. C'est compliqué pour les enfants de vivre dans un environnement où la maman n'est pas stable psychologiquement. Parce que, qu'est-ce qui justifie cette sortie médiatique de Peigniel? Qu'est-ce qui justifie ça? Il n'y a aucune raison. Au point d'inciter les gens à lancer un message de boycott pour le concert du pasteur Mike Kalambay au Zénith de Paris. Il n'y a aucune raison. Est-ce que Maramouya, pasteur Mike Aboya Mona Bana, et grosso le kebab baboya ok, koumi sanzam? Il doit avoir une raison. Pourquoi aujourd'hui, pasteur Mike décide d'envoyer le numéro de Shaddai, etc., etc. Peut-être parce qu'il se dit, non, tu comme on va sur la mais oh, il y a des nini. Vous savez, bana bana a joué, bon, comprendre ma mouté. Bilo rebelle, comment on a troublé bango? Bilo rebelle, comment on a troublé bango? Peut-être qu'il réfléchit à tout ça. Regardez la Peigniel que vous voulez soutenir sur les réseaux sociaux. Peigniel n'arrive pas à se stabiliser. Ce que Mike Abou a que Peigniel a mon abana. Est-ce que maman a Peigniel a béni Mike Abou a passé dans le téléphone? Est-ce que papa a Peigniel a béni Mike? Hmm? Est-ce que papa a Peigniel a béni Mike Baboy qui a passé Mike Abou qui a passé dans le téléphone? Pourquoi on n'a aucun élément des membres de la famille de Peigniel se plaignant que Mike Abou a passé Bangouban? Et puis même si aujourd'hui, Mike refusait tout contact avec la famille de Peigniel, ça peut être pour diverses raisons. Ariel, tu imagines ce qu'elle écrit sur Twitter? Qu'elle tapait Mike, que Mike est un peu heureux. Peut-être parce que Mike abandonne son isaté, peut-être pour ayebaki étape psychologique nae, ayebaki étape psychique nae. Il évitait des problèmes. Avec ces épisodes maniaco un jour, voilà. Et quelqu'un de comme ça, quand elle n'est pas dans un environnement approprié qui peut l'aider, quand elle n'a pas une personne qui la suit de près, elle ne peut que récidiver. Seule la prière ne suffit pas. Seule la prière ne suffit pas. Elle peut se reconvertir si elle est vraiment malade, elle a vraiment besoin d'être internée, de prendre des traitements. Peut-être que pasteur Mike Azobo et Akotia Banana en présence, il y a Peigniel pour toutes ces raisons. Jusqu'à quand est-ce que Mike va continuer à être la victime? Yamuto va divorcer, n'a déjà. Au nom de quoi ce concert-là doit être boycotté? Avec une maman comme ça. C'est ça, Big Boss. Il y a une conversation, Mike a l'obin à l'ingé en politesse. Mike a zo qu'on se plaindre en attitude nae. Au moins, il y a un gars qui a fait raison. Dans sa l'émission lobby, na dab na tonton bev sur cette affaire, un gars qui a fait raison. Na ba fa capture ya Niki ou ebimaka, Niki a comme la rafali ba message, mais fallait répondre à Niki te. Niki na Peigniel ba yana lekene ba na tata mo mama mo ba ndenge mo ba textuellement. Fallait avait compris.
Mais pour nous, on a considération au Mike Azaki n'a aucun pour la peine. Il prend même la peine de lui faire tout un message avec plus de 5 lignes. Azo répondrait quand même à ma message. Sachant qu'elle était en pleine crise, ce que Mike a décidé qu'on paie sa numéro à Yaya Shaddai, ce qu'a décidé qu'on paie sa numéro, ce qu'a décidé qui qu'on passe dans le téléphone cette fois-là, c'était pour nous éviter ma kelele. A comprenez que Peigné a commencé ma crise naï. Pour nous calmer, n'a passé qu'à dans le téléphone. Mais il le fait malgré lui. Elle qui tient tant à ses enfants. Pourquoi n'avoir pas pris un vol pour venir rendre visite à ses enfants sur Kinshasa? Bon, on va s'aller combien de temps? Bon, on va tenir un scolaire à Liboso Mobimbate, si Liba Bandé un scolaire à Sika. En cette période, on va s'aller à l'examen il y a deuxième trimestre. S'il vous plaît, les enfants dans la plupart des écoles sont en plein examen. Bon, on va aussi s'examen semaine prochaine. On trouble ni impénienne en tant que mère à Linga Tiana Bana. Pourquoi pour n'y a période on va un examen? Bon, on a son akishasa bana b'examen. Misou ba si semaine ou. Misou ba aussi sa semaine prochaine. Bon, on a bazo tanga. Beko la makasi makasi. Hein? Penye la poni penza en tant que mère responsable ya ko tche trouble na réseaux sociaux. Ko tche trouble na nda kouana, c'est-à-dire na minute o maika ko ta réunion na ba parents na e tout ça. Pendant ce temps, bana bazaka aboué na nzoto a man. Bana bazaka kaka aboué na papa na baron. Alinga troublé bana en pleine période d'année scolaire. Congé Noël et outio leka, peigné la yo outi que la bana ta kadwa mère Noël te. Congé outio leka, peigné la koke ko kita kiche sa ta fête na bana ta Noël. Pourquoi faut ça ka peigné? Et je vois même dans cette communauté les gens venir dire oh, nous boycottons les concerts. Vous boycottez le concert de quelqu'un pour une femme qui est dépressive. Et elle vous l'a dit. Vous n'avez qu'à regarder ce qu'elle a fait dans le passé, ce qu'elle fait aujourd'hui. Je vous mets une dernière vidéo. Je vous mets une dernière vidéo. On va se retrouver demain dans un autre live. Et ce sujet, on va bien aborder ça chez Dab. J'aimerais présenter toutes mes excuses au pasteur Mike Kalambay parce que avant d'être le père de mes enfants, quand je me suis redonnée au Seigneur, je me suis rendu compte que qui suis-je pour juger son serviteur? Qui suis-je pour juger ses serviteurs? Dieu fait grâce à qui il veut. Peu importe leur comportement, peu importe ce qu'ils font, Dieu fait grâce à qui il veut. Ce n'est pas à moi, Peigniel, de déterminer que telle personne... Et il n'y a rien que je peux faire pour changer le passé, mais au moins je peux présenter mes excuses. Et deuxièmement, j'aimerais vraiment demander pardon publiquement à mes parents, à ma maman, maman Wivine Chibasu, et je ne me suis pas bien comportée. Et on sait qu'il s'agissait de mes sorties médiatiques, mais ils ont été lapidés publiquement, ainsi que pour mon comportement. Je demande publiquement pardon. Je pense que c'est très important de revenir sur les réseaux sociaux et le faire, parce que c'est sur les réseaux sociaux que j'ai fait des déclarations qui ne les ont pas honorées. Que donc ils n'ont jamais été méchants. Qui m'ont accueilli dès le premier jour, ils m'ont accepté, ils m'ont aimé comme si j'étais jamais été difficile. Bref, mes beaux-parents, je demande aussi pardon. Ils n'ont été que donc ils n'ont jamais été méchants, ils n'ont jamais été difficiles. Ce sont des personnes qui m'ont accueilli dès le premier jour. Ils m'ont accepté, ils m'ont aimé comme si j'étais la leur. Et ils n'ont pas mérité non plus. Je demande pardon. Ensuite...
j'aimerais présenter toutes mes excuses au pasteur Mike Kalambay, parce que avant d'être le père de mes enfants, peu importe ce qu'ils font, Dieu fait grâce à qui? La Bible dit que à Dieu la vengeance et à Dieu la rétribution. Je vous mettrai d'autres vidéos demain parce que je dois prendre les appels. Hein. Je voulais faire vite, j'espère que vous avez copié le numéro. Elle a même demandé pardon à ses enfants. Elle avait dit, je demande pardon à mes enfants. Mes enfants ne méritaient pas si, etc., etc. Elle a demandé pardon au pasteur Mike. Elle a demandé pardon à tout le monde. Regardez quelqu'un qui fait tout ça, mais qui vient récidiver et la communauté l'accueille à bras ouverts. Parce qu'on aime les scandales. Parce qu'on aime, ok, l'humiliation. Parce qu'on aime que les autres puissent être au cœur des scandales. Tolika ba misu suba zalaka ka humilié ba fingama, etc., etc. Quelqu'un qui a demandé pardon comme ça, nandenge na emo na volonté na emo bacheke mundu kite. Est-ce que vous vous souvenez de l'occasion qui a fait qu'elle puisse demander pardon? Nous étions tous choqués de la voir au concert de Dallas du pasteur Mike. Et elle était en train de danser comme si de rien n'était. Le concert où le Congolais a insulté le pasteur Mike disant qu'il était immature. Pascal Obaki ata batienga na YouTube na maseke, etc., etc. Bolobi, moi c'est à Bongoli Moutema. Moi c'est à changer na ye. Maiko sali bwepo na nini. Allez, Peniel. Elle vient, elle demande pardon à tout le monde publiquement. Je me rappelle encore du frère Aimé Khan qui a dit, c'est grandeur d'esprit, venir demander pardon. Je me rappelle encore des quelques personnes qui ont écrit dans la communauté. En tout cas, c'est une grandeur d'esprit pour demander pardon. Elle a fait signe de ma preuve de maturité. Moi, j'ai fait encore partie des personnes qui n'ont pas cru en Peniel. Parce que quelqu'un qui peut facilement virer au rouge, quand tu vois, tu sais. Quelqu'un qui peut facilement virer au rouge, oh, quand tu vois, tu sais. Moi, les conneries de Peniel ne me surprennent pas. Il n'y a que vous qui croyez en elle. Peniel aime être sous l'effet des projecteurs. Avoir épousé une star, c'était... Je vous dis, hein, si Peniel n'avait pas divorcé du pasteur Mike, s'ils étaient toujours mariés, ah, pasteur Mike, ambassadeur de Majab, yeah. En tout cas, je ne sais pas si on allait respirer. Ah, je ne sais pas si on allait respirer. Peniel aime ça, la visibilité. Le fait de voir que le pasteur Mike n'a pas chuté dans sa vie malgré qu'elle, elle est partie, c'est une pilule amère pour elle, difficile à avaler. Cette communauté, arrêtez d'être hypocrite. Vous n'aimez pas Mike, on le conçoit. Mais il ne faudrait pas applaudir quelqu'un qui, dans ses actes, met aussi ses propres enfants en danger. Elle met aussi ses propres enfants en danger. Donc, ce qu'elle fait, elle met ses enfants en danger. Je vous dis, c'est ma toute première vidéo. On reviendra demain. Demain, on va faire live la journée. Peut-être qu'il y aura mon visage dans ce live-là. Sinon, ça sera masqué. Mais une chose est sûre, on reviendra sur cette affaire. Et dans ça, je peux prendre les appels maintenant. Ceux qui peuvent appeler, vous pouvez appeler. Ceux qui veulent appeler, vous pouvez appeler. Et Peniel fait une clique avec des gens. Vous racontez quelle connerie même que vous boycottez le concert de Zénith de Paris parce que toi, tu n'as pas vu tes enfants, Peniel. Donc, toi, tu penses que la RDC, tout le monde respire avec tes narines, quoi. Donc, au Congo, nous, on respire avec tes narines. Parce que tu fais une crise. Toi-même, tu ne te mets pas en ordre pour être une bonne mère pour tes enfants. Et tu vas priver au peuple de Dieu d'aller prier parce que toi, tu n'as pas vu tes fils. Toi qui es venu vendre des caleçons avec un seul échantillon que tu as mis sur ton corps pour finir publié sur les réseaux sociaux en plein sextape. Tu avais de quoi payer les billets pour te pavaner avec Denis et Sissou Kinshasa, mais tu n'as pas de quoi payer ton billet pour venir voir tes fils. Et c'est pour toi comme ça que toute une communauté ne va pas bénéficier de la présence de Dieu au Zénith de Paris le 26 mai. Ce concert aura bel et bien lieu. Si tu veux, porte un gilet pare-balles.
descends, va rejoindre Bokeh Tchoué et consorts, deviens combattant. C'est quoi ces foutaises? Et dans cette communauté, on applaudit cette folie. Peignel, tu fais quel travail? D'abord, demande à Peignel si elle fait quel travail. Peignel, tu as envoyé tes enfants combien? Depuis quand vous avez divorcé, le père de tes enfants et toi, tu as envoyé tes enfants combien? Tu as totalisé 10 000 euros pour envoyer tes enfants. Je descends la moitié, 5 000 euros pour envoyer tes enfants. Tu envoies tes enfants quoi par mois? C'est-à-dire ce père qui prend en charge les enfants, qui les nourrit. Banano ba tanga na ba classe na ba école ya luxe na ville à Kinshasa école au bana ba ministre ba tanga ba bana ba konzambo ba tanga na ba école au bana ba tanga. Allez, toi tu te permets de venir boycotter le travail du papa de tes enfants? Hein? Le travail du papa de tes enfants? Et si quand bon ali pa banano ya olingi banano te peine tu n'aimes pas tes enfants. Tu les prends comme un alibi pour nuire à Mike. En réalité, tu ne les aimes pas. Parce que si tu aimais tes enfants, tu ne peux jamais détruire le travail qui leur permet de vivre. Parce que si on les a payés sur banane, on paye ça en train de vivre au Mike, on paye ça en route. On paye ça en luxe au Mike, on paye ça en route. Banane, on va qu'on a une classe dans le Jeep, un chauffeur à Zélie, on va qu'on soit en route. Yo, on paye ça en vini. Tu es venu te pavaner, tu as trouvé des petits copains ici, tes Didier, tes jackpots. S'ils t'avaient épousé, ils n'allaient même pas donner à tes enfants la vie que leur père leur donne. Tes petits copains que tu as ramassés ici. Bah, ma quand nous on a balayé bah pèse ça bah nous vu au tata bah on pèse ça bah on t'a un moment donné faut arrêter ta folie. Donc yo l'ingo baby ça nous salue ils ont protégé bah nana yo. Tes enfants ne prennent pas des soins médicaux dans n'importe quel hôpital ici sur Kinshasa. Hein? Vérifie on va te dire. Hein? Mike s'occupe très bien de ses enfants et ce train de vie là même si bah nana bah c'est les États-Unis na balayé bah ça n'ango t'es. Balayé bah ça capte bah nana bah vend dans les États-Unis bah tiki lekio bah ngote. Et ça, il y a un peu de temps pour Mike Obimi sur les réseaux sociaux. Jour abandon ça, live, sur ma photo, ils ont pexé, bimé, bimaka, on a regretté. Communauté, ils ont bêté, ils ont bêté, quand tu fais des crises, ils ont bêté, ils ont bêté. Il ne faudrait pas encourager des bêtises. Toi, tu veux détruire le gagne-pain, oh, ben, on va vivre en haut. Est-ce que ben, on va lire? On va détruire en haut. Parce que, ben, pimélio, comme on a ben, oh, moi, c'est ma cassite. Femme battante, fout ta billet d'avion, quitte à Kinshasa. Kende si kon a loupang ou an obano vanda kuna sklaksone, so ype sonne na porte. Ba sentinelle ana, ba bo esko kope so banana ou. Oza na droit na yo, tu es dans tes droits. Boza a garde partage nengon lobaki. Ton di mayo, kita na Kinshasa, un point entre. Yo komi na porte a loupang ou an maiko sonne sentinelle a monyo a bo lak so banana. O komi ti na Kinshasa luki, mama ya pasteur Mike a zan vi. O lobe o yon mona banana ou, mama an a bo yon mona bako kuna e. Yo komina dans sa présence church, ils en plein rompant où il est ri, au conti ba yamiote. Ba pesio ki cité. Hein? Yo komina bureau pasteur Mike ba yamiote ba bi au mona bana noté. Dimanche mois en plein culte au conti, au coup ta Zion na chada ibo ki mambang na kate église. Yo komi kincha so moni ba noté. Pené boni buzo ba boyko. Oh, tu es sur les réseaux sociaux, on refuse de me passer les infos au téléphone. Fou ta billet qui t'a Kinshasa. Fou ta billet qui t'a Kinshasa. Femme forte, femme battante, moi c'est ma casse aussi, ma mongo. On a côté la caleçon, échantillon moko, banda container et dina maï, yachi, yandela, chine, koko, ma Kinshasa. Container à ma caleçon, à côté que ça la crash. Boni bousso, babou, eko. Boni bousso, babou. Il faut pas le voir en abîme, on peut boire. Et c'est normal, t'es. À les communautés, ils ont soutenu Mouton boycotter le concert parce qu'elle fait des caprices. Il y a Bengi, ma parent, un pasteur, Mike, ma paix, ma Bengi, moi, en abîme, on te peut pas y aller, c'est que Pessay, maman, banana, basola, la banane, asola, soana, banane. Hein? Yo Bengi, ban. Mike travaille quand même avec des gens. Tu as essayé de trouver les autres pasteurs qui travaillent dans Majab ou Gospel, basola, na pasteur, Mike, pour qu'un pasteur, banana, boy. Comment voulez-vous qu'on passe à une mère qui passe son temps à faire des crises, des sautes d'humeur de n'importe quelle manière, qui se pavane sur les réseaux sociaux, qui ne fait que récidiver et le mandat d'entendre est récalcitrance. Hein? Mike aussi, il est inquiet. Il ne sait même pas comment est-ce que tu vas te comporter avec les enfants. Banaba amiqué, banaba fragile. Shada est un bébé. Hein? Zayn est un petit garçon. Au moins, tu as un stress dans mon tout. Oh. Nous, comment régler ma camarade? Est-ce que ma camarade n'a pas de telle communauté?
Est-ce que ma Cameroun est allé peuple de Dieu, église corps du Christ, est allé bison à Nini? Parce que la minute on a mal quoi divorcer, hein? Et lorsque quoi qu'on paye, Mike a trompé, on a moutouté. Mike fait sa vie, tu fais ta vie. Où va marier t'es? Où va marier t'es Peniel? Oh, alors devant y a leur côté, oh devant y a leur côté. T'es caprice à la noix? Allez, n'a pas on va soutenir y a beaucoup que ça la pétition. Mais vous vous foutez de la gueule des Congolais, c'est-à-dire dans ce pays, n'importe quel individu peut créer une pétition et il y a des gens qui suivent derrière. C'est-à-dire ba tata na bino, ba sundo li bino. Ba tata ya bana na ba sundo bino na bana. C'est-à-dire bon faire payer on est Mike quoi. Parce que moi je comprends pas, c'est-à-dire Mike doit payer les péchés des papas de vos enfants. Oh ba sundo la bino na bana. Soutien au bino ba pe sa peigne li lo roni. Banda pasteur Mike na e ba divorcer. Oh samsani. Il y a ça là, non, ou à pied peigné. A gagner à combien? A tine rabat l'année combien? Hein? Tala. Toban en Zambéko. Peigné le souci na ye zala ki kakaya ou créé spectacle. Toban de koye, toye ba ki ke koma. Le souci de Peigné, c'était de venir humilier Mike na période Oyo. Peigné, qui est derrière toi? Lobby si go to lobby la, qui est derrière Peigné? So que ça n'a pas tout bas au cosa, on a ma prima ngondo, hein? Pour que yo boycotte concert à tata banano. Batou on a le son maïka tche zolo na likolo, hein? Le son maïka kangi mi suponga li bela batche mounoko super glo tche zolo likolo en touche du bois et koma te. Batou on a bako boko le la korbana te. Pourtant, on zéna bon a ma boko, ba salino le loroti. Ozu ba kopen to moni mouta bongi si vina ote. Alors, Peniel, ressaisis-toi. Oso comprendre. Peigné le son du problème, mais comme ça, moi, on a poche non soutenir pour maman bananaï. Ba copain, nous, on a mis ça, tout son mi balé à nos oies qui soient qui ont. Ba tine à bano combien? Ba pesa banoni. Et ça n'a pas si oso bazaï le quoi a eu, hein? N'a pas tata à banana, bon, ba kipa banana, bon, le quoi pasteur Mike n'a vu à pesi banane, hein? Or, ça, l'on pose à devoir naï. To pesse l'ango merci. Mais il y a des gens qui ont soutenu. Il y a des gens qui ont équipé les gens. Le quoi, Mike a équipé les gens. Ils ont soutenu. Ils ont soutenu. Ils ont bêtisé. Bon, ils ont soutenu. C'est quoi ces bêtises? Mike a dit ça m'a bêté. Tout le monde a dit ça m'a bêté. Maintenant, quand ça m'a bêté, on a mis la balle en route. Roko m'a resté. Au bon moment, il y a eu rechuté. La famille de Peniel. La famille de Peniel. Et le ko bana ba ko gérer te ba ko lo bo gérer. On a na famille Peniel ba noko ba sara ki nzonzi o ba beta ma ko ba sara te. Contactez les parents de Peniel, parler entre adultes et régler ces problèmes. Ou bien faut communauté comprendre que Peniel vraiment a une anxiété, na dépression na ndenga e bisé biso. To zongo bongo. Parce que tant que Peniel a ça ba sorti médiatique, né, les gens ne la prennent pas pour quelqu'un de anxieuse ou quelqu'un de dépressif. Les gens lui prennent pour Peniel ex moi c'est Mike Alambay au sa spectacle à eux exposer tata banana. Donc tout ça c'est Mike qui est humilié. Mouta comme a comme pasteur azo sa ba makamune faut kaka zalaka humilié, hein. Yango zaki punition nzamba nga pesa Mike zela ke li mabeza nini? Hein, o li kamunini nzambe boy. Oh pardon. Non na mona boyete. S'il y a pas d'appel en tout cas je clôture ce live. S'il n'y a pas d'appel, je clôture ce live. On se retrouve demain. Parce que cette histoire me laisse sans voix. Moi, non, comprenez-vous? Oh, Mike, asalaka boy. Asalaka bo kabwana. Oh, asalaka explication en peso le lote. Et puis, biso tel lote découvri, bah, ma be Mike, asalaka dans le passé. Et tali biso te honnête, bo divorce. Oh. Mère Boni Kale. Allô? Allô, maman, ça fait longtemps. Oui. Oui, entre-temps, j'étais dégoûtée. J'avais écrit vraiment dégoûtée par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à... Ça m'a tellement dégoûtée, l'acharnement et tout ça. J'avais senti que ce que j'avais à... vraiment, ça m'a saoulé que les gens soient ingrats, ça m'a dégoûté. En fait, ce que j'allais dire, cette communauté, c'est la même communauté Oyo. Je ne comprends pas, en fait. C'est la même communauté Oyo. Bah,
La Péniel est en train de... C'est elle qui a écrit que... Akobeta Mike, il en fait. Alors que c'est la même Péniel qui est venue nous dire que Mike Akobeta est. Mais là, quand elle dit... C'est elle qui battait. Les gens ne prêtent pas attention, en fait. Pourtant, elle a écrit que c'est elle qui battait Mike. Amuta Lobite. Tant qu'on lobby que c'est elle qui battait Mike, on a bimi pomba. Mais tant qu'on a dit que Mike a bandé à Kobeta, on a été victime. Donc c'est la même personne. À l'exhibition, elle était femme battue. Et c'est la même aujourd'hui. Vient changer de version comme quoi Yemutaro Beta Mobali. Donc, entre les deux, qui battait l'autre. Mais ici, la communauté ne fait pas. Comme ils n'ont même pas analysé, ils sont sans intelligence. La Péniel vient, mais que Yemutaro Beta Mike. Mais le Boyako Loba. Et puis, c'est en fait le problème de Péniel. Quand il y a l'air de des émissions, on avait parlé de ce sujet-là. Quand il y a un divorce, si tu n'as pas de maîtrise, dehors, il y a situation, puisqu'elle a dit que depuis dans sa famille, elle était toujours stressée. Elle a dit, depuis dans sa famille, elle était stressée. Donc, stress, elle conduit à prier qu'elle a calme. Donc, elle était vraiment dans un stress excessif, en fait, lui là. Contrairement à ce que les gens pensent, il était déjà depuis chez elle là-bas, depuis dans sa famille, qui déjà l'avait locoyo. Maintenant, l'accouchement n'a fait qu'accentuer la situation. Donc, Mike a yébagité qui y est, qui déjà la situation, mais sa famille savait que elle avait un souci. Elle avait un souci. Donc, accouchement, il y a eu ça là que, et puisqu'il y a des gens qui sont pendant l'accouchement ou pendant une situation et accentué, mais déjà à la base, elle avait un problème. Elle avait un problème. Comme l'herbe a divorcé, ne supportons pas le divorce, ce qui a conduit Péniel à Salamakambo, à Salakia, l'histoire de vouloir prouver à Mike que il y a moi aussi qui toco, il y a Boy. En voulant faire mal à Mike, mais c'est elle-même qui s'est fait mal, bah lali laliye au fêlé, bah baboli baboliye, pamba pamba. Au lieu avant d'aller suivre, en fait, en voulant se venger, peut-être que le mari peut te pardonner. Mais tu te mets dans une situation où il y a Yomoko, yo baby si le sousou. Mais là, au vent de la paix, si tu continues, en fait, il y a baby ça. Parce que elle, en fait, ce qu'elle a fait là, elle a voulu se venger à Kolaksake. Il y a moi aussi qui est tokoye bouillé. Mais elle s'est enfoncée elle-même, elle s'est salie elle-même. Quel est cet homme-là qui peut accepter salité à bouillé? Donc aujourd'hui, tout ce qu'elle vient faire, la communauté doit faire attention. Elle est déjà malade. Malade, il y a moutou, il y a jalousie, il y a nyonso. Donc, il faut soutenir vraiment la bêtise. Parce que déjà là, quand elle porte la arme blanche ou arme sokinini, elle est capable de faire du mal, en fait. Par sa jalousie excessive, on voit des situations comme ça. Mais elle peut passer à l'acte, en fait. Et vous êtes là en train de la soutenir. Et sa famille doit faire... doit réagir, en fait. Parce qu'elle peut passer à l'acte par sa jalousie. Le jour où Péniel fera des bêtises, cette communauté sera responsable. Oui. Parce que le jour où elle va commettre une bêtise, déjà, sachant qu'elle est dépressive, la médecine l'a prouvé. Quand il y a dépression, alors que sa dépression, c'est des phases. Il y a des périodes où elle est dépressive,
Il y a des périodes où elle a des absences, il y a des périodes où elle devient normale, en fait. Elle est lucide, elle est cohérente. Il y a des moments où elle a des absences, il y a des moments où elle est dans son délire, en fait, dans son monde imaginaire et tout ça. Mais il y a des moments où, quand elle est passée, par exemple, chez Ken, elle sait ce qu'elle faisait. Elle est venue pour masquer son truc de « arrestation naïe ». Mais comme Ken aussi, c'est l'école primaire ou CP2, mais voilà, elle n'a pas le temps d'avoir une réflexion. Alors c'est Ken qui l'avait menacé quand elle avait eu des problèmes avec Jackpot. Hein? Et Ken soutenait Mike, non? Les lois ont changé version. Comme dans cette communauté, on peut changer de veste, retourner la veste facilement. Donc, communauté est-il à soutenir dans les bêtises, dans sa jalousie, dans elle peut passer à l'acte. Et vous allez continuer à soutenir. Hein? Si elle commet l'irréparable au Sanim. Hein? La justice va dire qu'Aza est dépressif alors que Aibi Makambazo Sala. Comme aujourd'hui elle regrette, Naba regret naye, il y a Kanisa qui t'a conduit à Mobale et à Koleka Mike en voulant se venger, mais elle s'est mise elle-même dans la boue, mais elle a tout gâché en fait. Elle veut avoir les enfants. Agolobanabango Makamuni. Parce que chez Ken, elle a dit que Mike, Tunaki Mwana, ce qui a Tindi Mwana, Alubanaye, ce qui Balingba Zong Salibala, Libalanin va aux Zong savait que tous les désordres, même ceux qui y a la Kandengini, ceux qui ou tu es amoureux ou quoi, la salité ya boy. Bah, tu vas soutenir vraiment ma bêtise, en fait, c'est ce que je voulais dire demain. Merci beaucoup, quoi, maman. Parce que cette communauté-là, c'est n'importe quoi. Merci beaucoup, maman. Oui, allô? Allô? Bonsoir, oui. Bonsoir, Demeur. En fait, moi, j'allais intervenir quand même, qui est, je sais pas pourquoi ni communauté n'a vu ça. Communauté n'a vu ça, tous invités, maman, c'est ce que j'ai compris aujourd'hui. On vit dans une communauté où ce qui moi ça y a lobby que et ce qui m'ont balayé à lobby que moi c'est na bandai ko beta tu vas voir la communauté pour loba c'est que yem ta poussa qui a bou c'est que yem nom ta poussa qui moi c'est à bou pour moi c'est ça l'on m'a dit mais ce qui moi ça y a na balégation contre son mari directement il est coupable voilà qui était et puis aussi donc on y se peigne la loba ils ont parole d'évangile au moins dans beaucoup le Mike Kalamba il y a à loba version de Fenae bato bo loba na yope mosali nanzam au garde qui silence tes poignets mais finalement qu'est-ce que vous voulez tuer mon moi mon bali abatou ayaka a salra mo lave mon ka ya mouke na ba preuve a mouke boya bo kritikae bo linko ka version a été bo lingi te lo te bo lingi sa koto crucifié to bouna e bon admettons que Mike Kalamba ya salam a kamo yon soa sala sa date de 2000 so ki kombi on est en 2024 et là on y a mwesi la kate ba divorça fait il faut qu'on rappelle communauté bosana ba divorça Chico, ce qui Mike, ok, Mike aza violeur, aza pédophile, aza qui se trouve à violent, déconne à 12 ans, nous sommes en train de se dire. Mais Mike, si tu as. Quand on est en États-Unis, Mike a violé, déconne à 12 ans, bah. Oh, à l'objet, on déconne à 12 ans, aza prêté, ok, pour porter plainte. Bon. Attention, on a 12 ans après, c'était ma parent, on déconne, bah, oui, on peut porter plainte parce que tant, bah, viola, tout le monde en a un azaki mineur. Mais ma parent est au monde athée. Maman, elle a encore. Donc, tout ce que Peniel nous raconte, ce sont des choses qu'elle nous a racontées depuis 2018. Et puisque moi, je ne comprends pas, pour mon encore communauté, moi, mité, mamabé. Peniel, elle est sortie, elle d'abord, na Twitter. Peniel, elle m'a dit, peut-être, ma souris, na Twitter, comment est-ce qu'elle a percé, je m'excuse. Comment est-ce qu'elle a percé son vagin? Ceux qui sont clitoris, et Banda Kikuna, bah critiqué na Twitter ici. Bah tout le monde va qui a vu ces photos arrestation na e. Kunaka na Twitter. Allez par après et comme yo, Mike Kalambai, 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 Mike Kal
Babeko, ce n'est pas bien ce que vous faites. Comment est-ce que Bolanda Moutloko a peigné? Elle ne nous dit rien de nouveau. Tout ce qu'elle dit, elle a déjà dit ça. On est déjà passé à autre chose. J'ai même pensé, je me suis dit, peigné la gaz d'Oba parce que demain, comment Ozolanda Bato va inconnu au bazo supporté? Quand deux au lobby, on touche du bois. Les lots qui m'a accambé, ils ont dit non, occupé Banana. Na Américo, est-ce qu'elle peigné leur refus que là-bas, l'école privée? Ou bien, l'école publique Américo, ils ont poubelle. Banana, mi bali, bon, comme elle est chégué. Ma parole, elle travaille à l'école privée. Elle a quoi? Elle fait quoi dans la vie? Elle n'a rien, elle n'a même pas d'argent. Faut voir qu'elle est bête, elle ne profite même pas. Ça ne te profite à rien. Et tu te rappelles, moi, je me connais comme discours, ni que Baza jaloux pour la fiancée Nangaï, Baza jaloux, c'est le même truc à Salarabiso na Didier. Tant que vous avez dit 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 que vous parce que ils veulent détruire ma relation avec mon fiancé. Peniel, communauté Bosunga Peniel. Moi j'ai pensé même que Peniel a changé, qu'il va saluer même chaîne na maman ba ngoba ote ya bato. Peniel, ça fait mal de te voir en zone na ba bêtise. Et puis je te condamne mais na zo condamné pe bato bazo za bazana simano parce que so mikaza simano ote otika. Mais c'est moi que bato banana mikemi ki na bato. Jour na mona ku chaîne na na maman ba au niveau na seka ki na pande kanga menga. Bah ça c'est normal bango. Personne t'aille bato bazo soutenir Peniel. Ezaka ba femme seule avec wifi, ba femme au que ba botana ba n'importe qui ba soutien, ba qui parle même pas bana na bango. Mais toi ton mari a qui parle bana. Ozo que ne haut détruire entreprise à Mobali. Ba yé ça bana on a ni. Ne lo so qui lelo comment le petit wana. Ne lo so qui Shadai wana koli amoni makambo on sepela nango. Toi, tu veux te détruire. Moi, mon père et ma mère sont divorcés. Mais maman a vu ça le banana toujours à l'objet. N'a l'ingan ça les lois à ma bête parce que n'a vu que l'ingan papa n'a omis. Son a salé ma bébé n'a pengaï. Pourquoi Peniel ne réfléchit pas? Banana, ça va comme il a ma âge, peut-être 15 ans, 16 ans, à ta 10 ans, comment on comprend ma caboua ou yinaïe. A mon idée que l'ingan fait n'a pas la naïe avant la calme. A mon athée. Avant la calme, eh! Et puis. Cette situation est affectée à Maïke, Makasi. Maïka va tout couper à Sali Album. Il essaye à se remettre. Il n'est même pas encore arrivé à Maïko. Il n'est même pas mal à l'aise. Il n'est même pas encore à son anabapana. Et tu viens encore pour nous quitter ça. Il n'y a pas de peine. Il n'y a pas de quitter. Demain, on a ceux qui ont amené cette fille communauté pour se rendre fille au mauvais service parce que Simba Moutou. Toi tu es venu réclamer les enfants. Bon, tu sais que ma kalamba a bandé coupé sur banaté. Au son na banaté. Au lieu qu'on réclame bana. Soit qu'il y a quelqu'un d'internet, dites à votre pasteur de me permettre de parler avec mes enfants. Sinon, ça va barder au soukiwana. Ni kamboa bana. Au lieu de biso Mike violé. Et Mike boye. Au lieu de biso na ba ex à Mike. Oh, jalousie, auto kito. Ba fille a moni on son oh ya banda ko cité le quoi ba ex a Mike ba tika pe ko lo bati ba bi marate ba ti pakete oh je suis désolée hein nana za kan de deuxième femme moi c'est na libo so za la kan de centre na on n'a pas besoin de ça Mike de ça pour ka wana fait ta vie lâche la veste to lembio peignel to lembio merci de cœur merci maman Bambana ngo yo mokando pibia ba ngo yo moposta ba ngo ata moko ta sia bima ya olo ba ba di ko se salir les mains te na ba bêtise na il y a des gens qui se respectent hein, qui ont une vraie vie hein. Il y a des gens qui sont respect qui se respectent ami lobi na na vie na na lobi na na futur bilo msusu na ko ta na kata ba besoin na te bon mon te ke ba so ba se respecter te na ça dit ba bala na mbongo mais yu moko ko ma on des filles mo ba zo ka sitoche na terrasse ba koto na ndako hein na prostitue baba na nzela baba zu na nzela ba yo bala ba pesele mbon a libala a se respecter ko le ga yo peniel mo na pasteur ba zo mo na ndako c'est pas normal hein biloko nyoso yo muto bala mo amukie o bala na 17 ans ndenge dino za ba comportement ma bebele bo biloko na nyoso zo ta ozu ta yo ko lango wapi c'est que yo banda o sa ba maramna avoko ta na libala en tout cas
Le pasteur Mike n'est peut-être pas saint. OK? Il n'est pas parfait. Il a beaucoup d'erreurs. Il a beaucoup de défauts. Mais Peniel, pardon. Yo, Penza, olekisi. Eh! Pardon. On se retrouve demain. Nabandi sujet olelo. Mouta pekisanga ngote. Peniel, toko kende nan wete ni ete ni te sika to lemba to souki. So ki ma... Quand a Jani ayez to pemi to sali pose to leli Jani to si sur les la Jani. Au moins la brine. Hein? Jani a couffé. Moi n'ai encore mon fou comme elle l'est. Bah yo qu'elle est ma ouais. Bon limbisa na yeb bien leur côté na sali leur côté. Yo leur osent le cas d'amuto à Michael. Sambela ranzamba non la butu hein. Nzamba pesé vie moula yo me mangamu peniel. On comme me mangamu tika moi na mobile abatu. Tika ye peniel. Il a déjà beaucoup d'ennemis, il a beaucoup de détracteurs. Imaginez déjà, il a déjà sali les colonnes. Tikaï. Oh, mais mangamboué. Ça, quand même, quoi, qui veut le. Rendez-vous demain. Dormez bien. Bisous.